Alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour la chaîne Atomic Fusion. J'ai jamais fait ça, tu sais, je démarre puis je sais même pas, je sais à peu près quel sujet je voudrais aborder, mais c'est sûr que je vais parler de... je vais parler de jeux de rôle en tant que tel, comme d'habitude. Je démarre, je sais pas c'est quel sujet. Le but, c'est de me rendre à la maison puis parler tout seul à vous, chers abonnés. Là, il y a des trucs qui me sont arrivés récemment. J'ai eu comme un genre de down, un blocage. On m'a dit aussi que ça pouvait peut-être s'appeler, je trouve que le nom s'appelait pas vraiment. C'est un genre de stress de performance. Tu sais, je veux dire, ça peut arriver à des étudiants qui arrivent devant un examen, puis ils font comme OK, c'est le pire truc qui peut m'arriver dans ma vie. Puis t'as peur, mais en gros, c'est peur d'avoir peur, mais c'est une peur qui est non. Non fondé, en fait, tu sais, tu peux avoir confiance en toi puis dire, gars, j'ai étudié, je peux faire l'examen, je suis capable, mais il voit ça, la grosseur d'un mammouth, la grosseur, tu sais, comme un chasseur qui va affronter un mammouth tout seul ou un T-Rex, j'ai mis un T-Rex, quelqu'un qui va affronter un super Tyrannosaurus Rex seul, puis il fait comme moi, je pense que je suis dans le... Mais en fait, ben, tu sais, l'ennemi ressemble plus à un Vélociraptor. Mais tu sais, le Vélociraptor, c'était plus une t'sais, c'était plus petit que des films, en fait. Il y a ça aussi. Puis là, ben, j'avais l'impression, je sais pas, j'avais l'impression de pas me donner à 100%, de pas être dedans. C'était bizarre. C'est quelque chose qui m'arrive pas souvent. Mais ça m'est arrivé récemment parce que c'est à force de jouer avec du monde qui ont une expérience, du monde qui sont bons. Me semble que tu décides, gars, je vais pas les décevoir. Puis en gros, c'est peut-être la peur de décevoir qui arrive. Puis là, j'étais juste en tant que joueur. Je parle pas des autres fois que j'étais. J'étais maître de jeu, ça c'est une autre affaire. Mais c'est ça, c'était comme dans la partie de Monster Heart. Peut-être que je ne sais pas où envoyer mon personnage, où Luna va se rendre. Parce qu'en gros, Luna, ce qu'elle a décidé, c'est qu'elle veut devenir l'alpha, elle veut devenir la plus forte des loups-garous, celle-là qui va mener le coin, qui va dire « Gras, c'est moi la chef ». C'est ça son but, et moi, c'est... Bizarrement, j'ai décidé ça, puis c'était écrit dans la description du loup-garou que t'as soif de pouvoir. Fait que je trouvais au moins que ça fitait, je suis content. Mais j'ai parlé aussi à Steph, un ami de France. J'ai parlé à Steph, puis là, il m'a dit, « Gars, c'est un PBTA, t'as pas à décider à l'avance exactement où est-ce qu'elle s'en va. » Oui, là-dessus t'as raison, c'est comme si on va voir où est-ce que ça va se rendre, mais si elle erre sans but, ça va pas aider, c'est qu'il faut quand même des petites étapes, tu sais, c'est qui va l'amener jusqu'à là-bas. Fait que j'ai quand même des petites idées là-dessus, mais là, vu que Danny va sûrement écouter mon vidéo, oui, je suis sûr que c'est mieux que j'y en garde en surprise. Parce que je suis comme ça, moi. Il y a là-dedans. Je suis content aussi. Il y a l'autre partie que je fais. Que je fais partie. Mais Spirit of 77. Mon personnage, Bronk. je trouve ça cool. Parce que c'est au moins, je sais que. Je me suis envoyé dans votre boue. Hey, j'arrête pas de faire des niaiseries en char depuis tantôt. Tantôt, je continue. J'ai tourné à gauche, puis il fallait pas que je tourne à gauche. En tout cas, mon GPS, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, tourne à gauche, pourquoi tu tournes à gauche? Ben oui, il est mal.
c'est là que... Ouais, c'est ça, avec Brock. Au moins, là-dessus, ça a été cool. Je sais vers où, Je sais qu'est-ce qu'il veut faire. Quoi qu'il arrive, je sais qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut péter des gueules ou détruire des objets. Tu sais, c'est comme... Là-dessus, tu sais, c'est comme j'ai vraiment fait un... Excusez pour les tic-tac. J'ai fait un genre de guerrier. C'est un guerrier. C'est le guerrier. Il est là pour ça. Il se bat avec ses poings. Il pourrait utiliser les guns aussi, je pense. Mais je pense aussi qu'il aime pas ça, je pense. Il aime mieux assommer quelqu'un avec un coup de batte de baseball que tirer dessus. Il trouve ça plus... je trouve ça drôle. C'est enregistré. Ça passe sur la chaîne de mon oncle Marc ou des aventureux. Je ne sais plus. Faudrait que je me renseigne. Je trouve ça intéressant comme partie. J'ai hâte de voir. Ça s'en vient bien. Ça va avancer. Je trouve ça bien. Il y a une autre partie que j'ai hâte qui s'en vient. Il y a Marc qui me dit qu'on allait faire notre game de Call of Cthulhu. J'ai déjà mon avatar, c'est Orangeade. Oui, mon chat. Mon chat orange qui est comme espiègle à mort. Il trippe, il joue avec une cocotte le soir. Là. Il s'entertaine tout seul. C'est tellement drôle. Là. Fait que j'ai déjà mon chat avatar. Fait que je trouve ça excellent. Ça va être drôle. Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir. C'est un jeu que je vais essayer depuis un bout. Je l'ai acheté en français. Parce que Marc, il cherchait. Il dit, tiens, c'est à toi, cadeau. Fait que c'est quand même gentil de ma part. Et nous, Marc, il est super gentil. Fait que c'est ça, je trouve ça cool. Je suis bien dans tout. Là-dessus, je peux dire, disons, là, je suis bien entouré. Disons, sur le Discord des aventureux, il y a des paroles qui bifurquent un peu, le monde y ramène à l'ordre. Dit, non, gars, dis pas ça, dis, faut que tu penses, tu sais, sois plus ouvert, puis ta, puis je le vois, wow, ok. C'est parce que, tu sais, on n'est pas sur Facebook, hein. C'est ce qui est cool. Alors, donc, je suis rendu à la maison. Alors, si vous vous posez c'est quoi la question, ça, ben, vous me la poserez. OK, bye!